On va voir si Tonton Laval est assez doué pour parquer. Tonton Laval, c'est un chauffeur qu'on vit aguerri. En descendant, on va voir si j'ai bien parqué. Aumônier, un coup une flamme. Tantôt la balle frappe encore. Donc, regardons d'abord comment j'ai parqué. Bonjour la famille, moi c'est Tonton Laval, le vlogueur congolais du moment, le youtubeur congolais de père et de mère. Visite Naisika Yabwe et Bongi et Bandana lo Sambo. La pagode a été construite en 1968 par la Chine nationaliste. Elle a servi de l'une des résidences privées du feu maréchal Mobutu. Elle était gérée par le domaine présidentiel de l'Anselé, DPN en sigle. Imaginez que le président de la République, Mobutu Sese Seko, s'asseyait ici, il posait son arrière ici. Ses arrières, excusez-moi, il posait ses arrières ici. Il avait du champagne. Il avait du champagne. Hé Ngonda, il y a un gars de Siwana. Il y a un autre qui a l'air de la il y a un qui concerne Zahir Nabisso. Zahir et Bongi et Zala, un et indivisible. Congolais, il y a un qui a l'air de la vie. Là, nous, on était dans la ville en train de trimer, de souffrir. On n'arrivait même pas à trouver un dollar. Ici, il y avait des millions qui étaient en train d'être distribués. On appelle ça comme on a un mur. Hein? Attends, je cherche une craie. Wow, c'est grand, hein? Mine de rien. Albi, je suis là, je vais te faire un cadeau. Je vais te faire un cadeau. Wow. Lors du décès de la première épouse du maréchal Mobutu en 1977, la pagode a été délaissée. En 1986, grâce à la coopération sino-zaïroise, le président Mobutu confiera la réfection de la pagode à la Chine populaire. Jusque là-bas en bas là, ici. On va descendre là tout à l'heure. On va descendre là tout à l'heure là.
Situé dans la commune de Lancélé, à 60 km du centre-ville de Kinshasa, la pagode est limitée au nord par le camp des travailleurs d'Aipen, à l'est par la nationale numéro 1, à l'ouest par l'hôtel de Lancélé et le fleuve Congo, et au sud par la rivière Nselé. C'est quoi là-bas? Attends. Attendez les amis. J'ai découvert quelque chose. Il y a une porte là-bas. Là, vous voyez? Tantôt, nous allons aller voir ce qui se cache là-bas. Il se pourrait que ce soit un passage secret. Je parie que beaucoup d'argent a été enterré partout dans ces murs. Il y a sûrement des dollars américains enfouis. Est-ce que vous avez un détecteur de dollars? Est-ce que ça existe? Si ça existe, j'aimerais en acheter un. Ton matin est déjà installé où? Bon, la visite est finie. Non. Oh, c'est un bon, hein. Oh. Hey, ça a bougé. Ouais, qui m'a fait l'île. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des rats? Des lions? Oh, papa, il y a quoi là-bas en bas? Ça, des machines. Ah, parce qu'on a écouté un bruit, on a eu peur. Pour transporter de l'eau pour mettre là-haut. Ok. Wow. On a eu peur. Le mec dit tout. On a eu un petit bruit là. Ici? En dessous là-bas. Oh, on descend. Il vient pas. Oh, c'est vrai non? Il n'y a rien. Ah, oui. On peut regarder même ici. Waouh. Tu vois? Waouh. Il y avait des machines ici. La maison que vous voyez à l'extérieur. Il y avait un appui. Là-bas. Ok. Il y avait un appui. Alors, le moteur tire de l'eau. Maintenant, ça jette sur le lac artificiel. Il a bien vécu, hein, le président. Oui. Papa, vous ne voulez pas devenir président un jour? Parce que ma vie a bouilli vraiment. Moi, ça me donne envie de devenir président. Peut-être à mes enfants. Et pourquoi pas vous? Je suis déjà dans la boîte. Hein. Depuis autant des années. Non, mais il ne faut pas perdre espoir. Vous pouvez. Je donne cette chance-là. Disons seulement que vous ne voulez pas devenir président. Voilà. C'est ça. Okay. Je donne la chance aux enfants. D'accord, papa. Je crois que. Moi, je n'ai pas la publicité pour votre voyage. Ah, ouais.